Bonsoir, bonsoir, vous allez bien. Bonsoir, bonsoir, tout le monde, vous allez bien. Il est exactement 23h38. Attendez, hein, je vais tourner mon téléphone. Oh là 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 là. Excusez-moi. Ah, je laisse comme ça. Je vais tourner. Ben, je laisse comme ça. Je vais mettre en mode rotation, mais ça va. Je laisse comme ça. Bah en fait, ce sont les fêtes. Hein. En tout cas, ce sont les fêtes. On dort pas trop pendant les fêtes. Apparemment, on dort pas trop. Donc, on essaie de veiller pendant les fêtes. On essaie de veiller pendant les fêtes. Car on ne sait pas hein, si on va voir le 1er janvier ou pas. Mais néanmoins, pour tous ceux qui sont en direct, c'est très important qu'on soit en direct. Je vous l'ai dit tout à l'heure. On vient de finir le direct de Sandy. Sandy qui a fait une très belle sortie, ça c'est bien. Bravo, ma générale. Bravo, 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 vraiment. Bravo pour cette sortie. C'est très important. Il fallait remettre les pendules à l'heure. Ok. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez très très bien. En tout cas, nous, ça va, on avance tranquillement. Après tant de spéculations, nous avons finalement quelques révélations sur la lettre. Ouais. Le courrier. Voilà, nous avons quelques informations sur le courrier, c'est très important. Parce que beaucoup ont tant spéculé, j'étais surpris de savoir que les gens m'étaient appelés Stéphane Tchoumbo. Et d'ailleurs, j'ai été interpellé tout à l'heure, je pense, sur ma page Instagram, une combattante très engagée qui était du MRC, tout ça, au pays. Il m'appelle Stéphane Tchoumbo, viens, rassure-moi, est-ce que c'est pas ce que les gens racontent? Je dis, mais écoute, il faut croire au professeur, au président Maurice Kamto à 1000%. Même si les gens te disent n'importe quoi, crois d'abord 1000%. Le reste, tu verras pourquoi. Mais ce que nous pouvons dire ce soir, c'est que c'est un fin stratège. Ce monsieur, il n'utilise pas seulement la communication politique dans le but de dénoncer ou bien de prouver moi, mais derrière, cet homme a quand même une ingéniosité en communication politique où il essaie de cristalliser tous les regards autour de sa personne. Et vous avez vu que le passage du président Maurice Kamto à la présidence de la République, où il n'a pas communiqué, où la plupart n'étaient pas au courant de cette sortie, il a laissé les langues se délier au sein de son équipe, au sein de son mouvement, au sein de l'opposition camerounaise, au sein de ses adversaires politiques dans le RDPC. Au sein de la société civile, au sein de la presse, où vous aviez une presse, Popoli, dont nous savons la ligne éditoriale, mais dont nous avons été surpris, choqués de cette image désastreuse où Popoli a reculé en communication. Moi, quand j'ai vu, j'écoute souvent Popoli, je suis très. Et je vais dire au grand frère Niémec que je connais personnellement, qu'il allait très bas. Il allait très bas. Je dis bien, il allait très très bas. Il faisait moins les, mais il allait très très bas. Je ne sais pas ce qu'il voulait faire, je ne sais pas ce qu'il voulait recevoir, mais il allait très bas. C'est très très bas. Pour un journal satirique de la sorte, il allait très très bas. Mais néanmoins, nous sommes confiants parce que, en fait, c'est de la communication politique, ce qu'a fait le président Maurice Kamto. Il a réussi à ensevelir la médisance, les attaques, le dénigrement sur sa personne. Vous savez, nous vivons dans un pays où certains Camerounais fake. Parce que tous les Camerounais ne sont pas fake. Moi-même, j'en suis l'exemple. Il faut être fier de le dire. Moi, je ne suis pas fake. Moi, je ne suis pas fake. J'aime le dire, je l'assume. Hein? Même dans le combat que nous menons dans la diaspora, nous, on se distingue. On n'est pas n'importe quoi. On n'est pas fake. Tu comprends, non? Donc, même si tu passes tes journées à dire que l'ami de Messanganyam, c'est moi qui t'ai dit que je suis ami avec Messanganyam. C'est moi qui rappelle ici que les Momos, c'était mes potes.
Donc tu n'inventes rien, tu ne dis rien. Donc tu n'inventes rien, tu ne dis rien. Toi, tu es fake. Toi, tu es fake. Nous, on n'est pas fake. Et il y a plusieurs Camerounais qui sont ainsi. On n'est pas les seuls. Donc, il faut toujours savoir que si le faux existe, c'est parce qu'il existe le vrai. Mais au Cameroun, les gens veulent nous faire croire que tous ceux qui sont dans l'opposition sont fake. Et vous avez vu que la sortie de plusieurs de ces personnes, en fait, était de démontrer au peuple camerounais qu'on vous a toujours dit que Biya contrôle toute l'opposition camerounaise. Il n'y a personne qui peut être différent, qui peut apporter une autre mouvance, une autre vision, qui peut être doté d'une personnalité chargée de l'intégrité. Que tous ces politiciens sont des aventuriers. Des gens, en fait, qui veulent satisfaire les réclamations stomacales. Des gens, en fait, qui ont des projets et des ambitions purement individualistes où ils instrumentalisent les mécontentements et les frustrations du peuple camerounais pour atteindre leurs objectifs. Et donc, tout ce qui a été baladé toute cette semaine, tous ces derniers jours, on a voulu faire croire à l'opinion nationale et internationale que Maurice Kamto n'est pas différent des ni John Fundi, des Cabral Libi, de tous ses opposants, des Ndjamène, des Ndoki, etc., etc., tout ce que vous connaissez dans le champ politique camerounais. Et dans la communication politique de cet homme, il a laissé expressement que les gens bavardent, que les gens jacassent, racontent n'importe quoi. Et vous aviez vu des individus se prétendant être des gens qui luttent pour la cause anglophone, mais qui, depuis qu'ils ont assisté au monologue de Paul Biya, tout leur objectif, c'est de détruire Maurice Kamto. Peut-être parce qu'ils le font brache, peut-être parce qu'il est le seul qui l'empêche, qui porte le vrai discours du peuple camerounais, et qui a réussi à discréditer les soi-disant sodeux opposants au régime de M. Paul Biya. Ils l'ont traité de tout. Il a goûté à la sardine. Pourquoi il a allé? Or, on a évoqué les éléments. Ce monsieur est parti en journée. Il n'est pas parti la nuit. Il est allé avec sa voiture, donc il pouvait être très bien identifié. Il savait très bien qu'il était identifié. Il allait déposer un courrier. Il n'est pas allé nuitamment. Et il part au moment où le président de la République n'est pas là. Donc, c'était pensé, c'était calculé. Parce que si Paul Biya était encore là, on avait dit, ben oui, il voulait être reçu par Paul Biya. Mais malheureusement, nous avons réussi à démontrer que Maurice Kamto n'aspire pas seulement à gouverner ce pays. Mais il a réussi, parce que c'est aussi une première, il faut qu'on le rappelle, il a réussi à désacraliser le palais des Toudi. Je ne pense pas que les Fundi, à leur époque, quand ils contestaient là, un seul instant, on peut, ayant la casquette d'opposant là, ils ont pu franchir quelques mètres du palais des Toudi. Mais Maurice Kamto l'a fait. Il a démystifié. Il a démystifié le palais du Toudi. Donc, il est venu dans la gueule, là où siège le lion. Tous étaient en panique, même la garde. Mais le type, s'il n'est pas seulement opposant, il ne combat pas seulement dans les coins et les recoins du pays. Même dans la présidence, il vient se marquer comme opposant. Les gens l'ont attaqué. On a vu un individu comme Danny Scopio, qui malheureusement l'a retrouvé au-dessus. Et je vous l'avais dit ici,
que Danny Scorpion, lorsqu'il s'est retrouvé au meeting du MRC à Japoma, il ne venait pas pour la fierté de ce parti. Il venait constater l'échec. Danny Scorpion est un pion dans le MRC. Moi, je l'ai souvent évoqué. Il est un pion dans le MRC. C'est un haut cadre. Il y a des informations que Danny Scorpion, ça provient de ce pion-là qu'il a à l'intérieur. Donc vous les cadres là, il faut bien cicatriser. Tous ne sont pas d'accord avec vous. Tout le monde n'est pas d'accord avec le leadership de Maurice Kamto. Et n'oubliez pas que le mouvement de Danny Scorpion F22, c'est un mouvement qui naît après le 22 septembre. Où il décide d'organiser son escroquerie. Parce que ça n'a rien à voir, ils ne font rien. Les Danny Scorpion sont les amis de Paul Biya. Ce n'est pas les amis de l'opposition camerounaise et de ceux qui mènent le combat. Parce que quand tu mènes le combat, tu ne peux pas fragiliser. Même s'ils ne sont pas dans la même méthodologie que toi, tu ne les attaques pas. Tu m'as dit pourquoi? Moi qui te parle, je n'attaquerai jamais Jean. L'honorable Ninthieu, les Wafou, les Tchapi, Madame Njoya de l'UDC, les Sambaka, les Kawala. Il y a plusieurs, peut-être. Mais tout ce que nous dénonçons ainsi ou bien nous attaquons, c'est que c'est des gens qui fragilisent la vraie opposition. Donc tu ne peux pas dire que tu es du changement d'opposition et que chaque jour tu passes ton temps à fragiliser ce qui est l'espoir du Cameroun. Ce mec a fait une sortie. Oh, il dit qu'il était à Japoma. C'est tant cru que oui, c'est celui qu'il croit toujours au MRC. Il s'est reconverti. Moi, on vous l'a dit là que son passage à Japoma était de constater si Kamto pouvait faire foule pour nous narguer, se moquer de nous. Mais malheur pour lui, il a vu que ce leader dont il critique matin, midi, soir, est largement déçu de son mouvement qui prend naissance après les manifestations du 22 septembre organisées par le MRC. Et la plupart de ses membres, certains sont naïfs, peut-être d'autres ont encore de la lucidité, parce qu'il y a d'autres qui croyaient vraiment que ça pouvait être une alternative, qui était sincère dans leur approche. Je disais qu'avec ce mouvement, c'est une alternative pour atteindre le but. Mais la plupart sont les sympathisants et les membres du MRC qui l'ont soutenu. Mais c'est un gars dangereux. Donc, ceux qui continuent à suivre, à rêver, parce qu'il n'est pas le seul. Il vient toujours à vous comme des projets parce qu'ils savent que vous êtes tellement impatient. Vous voulez un changement brutal au Cameroun. Et il faut passer, il vient vous proposer par des couloirs. Mais il vous demande de financer alors qu'ils n'ont rien. Et c'est toujours vers vous qu'ils courent pour venir demander le financement. Et malheureusement, derrière ce financement, les gens qui ils s'adonnent à ça, c'est toujours les Bamlékés dont ils l'insultent par après. Soyez un peu lucide. Ne donnez pas des armes à des gens qui ne vous aiment pas. Ne donnez pas des armes à des gens qui ne croient pas au combat. Et il n'est pas seul. Il y a beaucoup de bluffeurs comme ça qui viennent, à cause de votre impatience, surfer, vous vendre des gros projets. On va libérer le pays. On a déjà un leader. On a déjà une rébellion constituée. Et tout. Maintenant, nous allons mettre des canaux de cotisation pour que vous versez des malhonnêtes. Des véritables malhonnêtes. La preuve en est que où sont donc ceux qu'ils nous ont promis? Dès lors, nous autres, qui nous avons dit que notre démarche, elle est républicaine et nous avons les moyens républicains pour y arriver, pour y aboutir à notre projet. Nous sommes là. Nous gardons la cohérence. Quelle qu'en soit l'adversité, quelle qu'en soit la difficulté, nous rebroussons chemin. Mais eux, depuis que quelques centimes, tous ceux qui cotisaient, parce que
Rappelez-vous que ces gars, ils mettent la pression à tous les membres de cotiser. On ne sait pas où l'argent part. Et les adhérents sont fatigués de cotiser, d'autres sont en train de démissionner. Il n'y a pas seulement le groupe de Dany. Il y a un groupe d'activistes dont je ne veux pas citer le nom, que vous connaissez. Il y avait un là qui sortait les histoires, ma colline qui monte, va descendre, tout ça. Tous des bandits. Ils ont disparu. Excusez-moi. Ils ont tous disparu. Donc, voilà des gens qui viennent, qui émergent devant vous, qui ne peuvent pas rassembler. Je dis bien deux Camerounais. Les derniers scorpions comme ça. Mais ils sont là, ils insultent un monsieur qui non seulement a une stature internationale incontestée, vue de tous, qui a de la crédibilité, qui est un homme politique affirmé, qui est un intellectuel, qui a autorité sur son domaine de présélection, qui est le droit international, qui a fait ses preuves, qui est un conseil et un avocat de plusieurs États, qui défend des causes et qui est un leader, le visage de la résistance camerounaise. Il ne bluffe pas. Il a fait ses preuves. Il a démontré non seulement sa détermination, mais sa témérité face au combat qu'il mène. Il a toujours signé ses mots, ses discours. Pas ce mot. Je ne vous trahirai jamais. Donc nous autres, qui un jour aspirons à voir l'émergence d'un nouveau leadership, par le leadership, par le leadership qu'on a souvent vu de chancelant, apeuré, un véritable leadership, audacieux, courageux. Et quand on parle de courageux, ce n'est pas l'absence de peur de crainte, mais c'est l'audace d'affronter ce qui est craint. On l'a vu avec cet homme. Comment il a réussi à mobiliser le peuple camerounais pour revendiquer, pour mener des combats nobles, où il a été emprisonné avec plusieurs de ses camarades et sympathisants du parti. Tout ça parce qu'il aspirait à un Cameroun meilleur. Et je tiens à vous rappeler, c'est un homme politique. Donc il n'est pas idiot. Même s'il ne parle pas, qu'il ne communique pas. Ses faits, gestes, il scrute. Il sait dans quel environnement il évolue. Il sait très bien qu'une toute petite erreur peut engendrer des conséquences sur le plan politique. Il est conscient de la propagande du RDPC. Donc, tout acte posé par cet homme, le président Maurice Kamto, je dis bien, c'est mesuré, c'est quantifié, c'est calculé. Tu entends ça? Donc quand il le fait, il sait le coup qu'il attend. Toi, tu es là, tu nous déranges. Il a goûté à lui de la salle. Ouf! Ouf! Oh! Il a goûté, il se rapproche de l'huile de la sardine. Ouf! Il se rapproche de l'huile de la sardine. Il a goûté. Ouf! Toi, tu crois que si tout le monde est fake, est faux dans votre pays, là, c'est tout le monde qui est fou. C'est pas tout le monde. Il n'y a pas seulement Maurice Kamto. Nous-mêmes, moi, je témoigne parce que moi, je me connais. Je ne peux pas témoigner pour d'autres personnes. Nous-mêmes, on n'est pas fake. Il y a quelqu'un qui se balade là depuis, il dit que Tchoumbou, machin, tu étais comme ouf. Tchoumbou, l'ami de Messanga Nyamdi, a accompagné ce chef. Ouf. C'est peut-être pas caché. Nous, on a su. Et on le fait en public. Mais est-ce que c'est parce qu'on a fait un débat avec Messanga Nyamdi qu'on a vendu le combat? Est-ce qu'on met en danger la vie des combattants? Tu ne connais pas. Toi, tu es là depuis 2018. Tu as le malheur de ce combat. Et quand les frères combattants disent qu'ils vont s'écarter de toi, tu es là, j'ai été, on m'a accusé. Ouf! Tu déranges. Donc repose-toi. Le jour où nous aussi on va déranger, on va se reposer. Mais pour le moment,
Nous, on sera sur chaque jour. Qu'on ne va pas déranger à ce combat, on ne va pas nuire. Tout au contraire. Nous allons contribuer pour que ce combat soit une force. On ne va même pas accepter qu'il y ait de la suspicion sur notre tête. Parce que nous, on n'est pas dans le mensonge, le bluff, le commérage, le comportage, le bavardage, le chantage, l'enregistrement des combattants, le chantage, la médisance. Ici, tu appelles ici, tu appelles là-bas, tu causes ici, partout, partout. C'est les techniques. Et dans tout ça, les gens viennent te soutenir. Au lieu qu'ils te prennent, ils travaillent avec toi. Eux-mêmes, ils n'arrivent pas à te prendre pour travailler avec toi. Ils font comme s'ils te soutiennent. Parce que tu les tiens aussi. Nous là, on ne cajole personne. Tu te comportes bien, on te dit, c'est tout. Le jour où tu te comportes bien, on te dit que tu fais bien. Tu fais mal, on te dit ce que tu n'es pas d'accord, va brûler le lac, fous-nous le camp, fous-nous le camp, fous-nous le camp. Fous-nous le camp, va brûler le lac. Fous-nous le camp. On combat pour bien. Toi, tu es qui? Ouf! Attendez-moi, mon or. Ah, merci. Donc, il y a des gens qui pensent que comme tout le monde est fait comme opposant, donc il n'y a pas des gens qui peuvent faire la différence. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Le faux n'existe en fonction du fait qu'il existe du vrai. Peut-être ils sont peu. Peut-être ils sont peu. Mais il y a toujours le vrai quelque part. Et Maurice Kamto vous a démontré qu'il est vrai. Il est différent. Après, dans toutes vos spéculations, votre bavardage, où vous avez même voulu distraire les âmes sensibles, les esprits mal éclairés. Tu as vu comment... Tu vois dans la communication politique de l'homme. C'est depuis le 23. La communication est là, elle est toujours chaude. Donc, le 23, vous avez sorti. C'est vous qui avez sorti hein, la photo. Lui ne vous a pas demandé de sortir. Il ne voulait pas le buzz. Mais vous avez sorti la photo que Maurice Kamto était à la présidence. Et vous avez inventé vos conneries. Il a dit, ok, lui ne dit pas. Il ne parle pas. Il ne dira pas ce qu'il y a dans le courrier. Il reste silencieux. Maintenant, il demande à ceux de la présidence, s'ils ont le courage, qu'ils ouvrent, qu'ils déballent ça, qu'ils mettent sur la place. Mais lui, rien. No one day. Il est républicain. Mais heureusement qu'on est un média. Même si on n'aime pas le média là. Tu comprends, Pedro? C'est un média qui nous a trompés. Qui nous a bercés depuis l'enfance par la tromperie. Mais c'est le média, en même temps, qui lui est dans une propagande, qui a contrôlé toute l'Afrique. Mais c'est ce média-là qui a pu accès dans les couloirs des palais présidentiels. Tu comprends? Donc même si on n'est pas d'accord avec le média, on ne peut pas rejeter la pertinence de leurs écrits. Et surtout que il en va de la crédibilité de leurs médias. Ils ne peuvent pas pondre un truc comme ça. Ah oui, oui. Ces jeunes Africains, même si tu n'aimes pas comme les nous autres là, bah, c'est un média dangereux. Mais deux fois, on est opposé à ce média. Parce qu'ils ont souvent la primauté de l'information des palais présidentiels. C'est leur couloir, c'est leur deal. Parce que c'est un média issu de la France-Afrique. Et vous rappelez-vous que François Vincent Javet disait que la France-Afrique est une organisation des militaires, des présidents, aussi des médias. Tu n'as pas appris ça. Il disait que la France, c'est un système bien organisé. Chacun joue son rôle. Donc, il y a des médias qui sont à la solde de la propagande de la France-Afrique. Et dans ce média, donc,
Jeune Afrique fait partie des médias, de la presse écrite, qui ont souvent la primauté de l'information dans certains palais présidentiels. Donc, quand ils sortent une feuille d'information, nous, on peut comprendre que l'information est sérieuse. Parce qu'il en va de la crédibilité de ce média. Parce que s'il s'avère que c'est faux, c'est son problème. Ça engage la crédibilité du média. Donc, le média, tandis que ça bavardait dans les chaumières, dans les chambrettes, le média s'est donc rassuré. Mais quelle est l'urgence de Maurice Kamto d'aller au palais présidentiel où il met quand même la crédibilité de sa personne en doute, sachant que le contexte politique au Cameroun est quand même gangréné par un système de corruption où on doute beaucoup de la crédibilité des hommes politiques dans ce pays. Mais quelle est l'urgence et la pertinence qui amène le président Maurice Kamto au palais? Il faut qu'on comprenne véritablement. Est-ce que c'était donc urgent que ces derniers se rendent? Surtout que le secrétaire de son parti, du MRC, a fait un communiqué disant qu'il s'agissait d'un problème d'intérêt national. Donc, Jeune Afrique s'est dit, ben, il faut aller à la source pour voir l'urgence. Et nous sommes perdants. Parce qu'en fait, dans le dossier ressorti par Jeune Afrique, ça vient mettre en difficulté tous nos contradicteurs et nos adversaires. Ceux qui ont traité Kamto de tous les maux. Kamto vient de démontrer qu'il a fait un coup en communication politique. Il est minuit. À l'heure-ci, on doit déjà dormir. Tu comprends? On doit déjà dormir. On doit déjà dormir. Mais nous sommes obligés de veiller et d'expliquer au peuple du changement ce qui se passe. Je lis la lettre. Lettre de Maurice Kamto à Paul Biya. Ce que contient le courrier de l'opposant camerounais, je tiens à vous rappeler que c'est Jeune Afrique qui parle. Et c'est écrit par le journaliste Mathieu Olivier. Journaliste de Jeune Afrique. C'est lui qui a recueilli cette information pour nous. Le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun a déposé au palais présidentiel d'Étoudi un courrier destiné au chef de l'État, dont Paul Biya. Mais il n'est pas au pays. Paul Biya n'est pas au pays. Il était à Washington, où il était égaré, perdu, cette ville où il a exposé à la face du monde. Qui ne jouit plus de ses facultés, non seulement physiques, mais cognitives. Il ne peut plus gérer, il ne peut plus. Et la constatation de la vacance du pouvoir n'est pas seulement sur un empêchement, mais aussi, lorsque vous avez un dirigeant qui ne jouit plus de ses facultés physiques et mentales, il ne peut plus. Sinon, il prendra des décisions maladroites qui vont engager le cas du Cameroun. Donc, il faut se méfier. Et c'est pour ça que tout ce qu'il a signé depuis 2018 là, nous allons remettre ça en question. Parce que pour nous, Paul Biya ne jouit plus de ses facultés cognitives. C'est important. C'est un fou qui avait signé ça. Donc, il y a une dupe. C'est un marché de dupe. Donc, on va casser ça. On casse ça. Bientôt là, on casse. Tu entends? Tu me dis, bientôt on casse ça. Calme-toi. Tu dis, bientôt. Femme bien n'est rien. Il est fort pour ceux-là, entre eux. Nous, on n'est pas un groupe de bandits. On n'a rien volé avec eux. Donc, il n'est rien. C'est notre chose. C'est la chose du peuple.
On va prendre ça. Et on casse tout ce qu'ils ont engagé. Tu entends ça? Donc calme-toi. On le dit, c'est une certitude mathématique. Ils ne peuvent pas. On vous a dit, on ne porte pas les armes. On ne vend pas le bluff. On ne va pas faire comme les derniers scorpions. On profite d'une situation, on crée le M22 pour escroquer les dignes camerounais. On ne propose rien. Alors qu'on est les amis de Paul Biya et Tanganji. Des dangereux comme ça. Vous venez insulter Maurice Kamto. Vous êtes qui? Qui vous a donné ce courage-là? Vous êtes qui pour insulter un tel homme? C'est le topier. Je ne veux pas parler. Le 21 décembre, si Maurice Kamto n'a pas souhaité communiquer sur le contenu, sur son contenu, Jeune Afrique a pris la teneur de ce mystérieux prix. Donc Jeune Afrique dit qu'ils sont là à la source. C'est quand même mystérieux le prix, le prix là, c'est grave. Il y a quoi dedans? Qu'est-ce qu'il y a Ben Maurice Kamto par l'aise? Il y a quoi? Il faut qu'on voie. Par Mathieu Olivier, Jeune Afrique. La photographie a fait grand bruit partagé sur les réseaux sociaux. Elle montre l'un des véhicules de Maurice Kamto au niveau de l'entrée des entrées du palais de Toudi, siège de la présidence camerounaise. Le 21 décembre, l'opposant s'y est en effet rendu de déposer à même propre un dossier aux agents de la direction de sécurité présidentielle en poste sur place. Une affaire de politique internationale. Depuis, les spéculations vont bon train. Le président pour la renaissance du Cameroun, en abrégé le MRC, lui-même ayant choisi ne pas dévoiler le contenu du pli adressé au chef de l'État Paul Biya, son parti s'est simplement fendu le 23 décembre d'un communiqué évoquant un courrier portant sur un sujet sensible d'intérêt national. Les gens même ont laissé faire croire qu'il y avait une contradiction dans le courrier de son secrétaire général. Parce que, rappelez-vous que le communiqué du 23 décembre, le secrétaire dit que c'est un problème qui n'a rien à voir, c'est purement personnel le pli qu'il envoie. Mais après, il dit d'intérêt national. Vous voyez que le MRC, dans sa communication politique, non seulement a voulu brouiller les pistes, a voulu laisser que les ponts de les spéculations de certains de leurs contradicteurs, mais nous a quand même informé de la pertinence de ce courrier dont portait le président Maurice Kamto, d'intérêt national. Donc c'est un problème sécuritaire. Selon les informations de Jeune Afrique, parce que Jeune Afrique précise avant que le président lui n'a pas fait fi du contenu du pli. Maintenant, dans les investigations, dont Jeune Afrique engage des investigations, tu entends ça, non? Donc, ils utilisent des couloirs que toi et moi, tu ne maîtrises pas pour avoir les informations de ce courrier. Selon les informations de Jeune Afrique, le dossier de Maurice Kamto concerne une affaire de politique internationale. Et nous, on vous l'a toujours dit, Maurice Kamto était juste internationaliste. En l'occurrence, le différend qui oppose le Cameroun et le Nigeria autour de la presqu'île de Bakassi. Celle-ci est au cœur d'un conflit juridique que se livrent Abuja et Yaoundé devant la Cour internationale de justice depuis plus de 15 ans. Même si la Cour internationale de justice a rendu dès 2002 un arrêt demandant au Nigeria de céder au Cameroun le territoire disputé. Plusieurs désaccords demeurent en effet entre les deux pays au sujet du tracé de la frontière. En outre, un mouvement séparatiste nigérien qui lutte pour l'indépendance du Biafra opère dans la région, affrontant régulièrement l'armée camerounaise. Au nom de l'intérêt national, oh, this is the it's a good man. You understand me? Oh, my people, you understand me? It's a good man. Au nom de l'intérêt national,
5 soldats du bataillon rapide d'intervention, le BID, force spéciale camerounaise, ils ont été tués en juillet dernier dans les affrontements avec les rebelles biafrains. La région est toujours en proie à l'instabilité. Il y a eu au Nigeria de plus en plus, et il y a au Nigeria de plus en plus de voix qui se lèvent pour remettre en question le jugement de la Cour internationale de justice de 2002. Écoute ça. Les Biafrais. N'oubliez pas qu'il y a le mouvement des Biafrais du delta du Niger. Qui revendique leur autonomie, leur indépendance. Et que dernièrement, il y a 5 de nos soldats du BID en juin dernier. Il y a toujours des conflits là-bas. Or, la décision a été rendue par la Cour internationale de justice. Il fallait rétrocéder Bakassi au Cameroun. Donc, il fallait maintenant s'entendre sur les tracés de la frontière. Mais jusqu'à là, ça ne donne pas. Et au-delà de ça, au-delà de cette rébellion qui ne considère pas la décision de justice de la Cour internationale de justice, il y a des voix qui se lèvent au Nigeria qui ne sont pas d'accord qu'on rétrocède cette partie au Cameroun. Les voix s'élèvent pour ça. Et ça, ça fait bruit depuis. Et la guerre en Bajounais a amplifié ça, cette tendance-là. Résumé, n'est-ce pas, Yaoundé? Or, Maurice Kamto a été l'un des principaux acteurs du dossier de Bakassi du côté des autorités camerounaises. Avocat spécialisé en droit international. C'est un expert sur les questions de droit international, donc on ne lui apprend rien. Donc il a l'expertise avérée sur cette question. Public. L'opposant a ainsi fait partie de la délégation désignée par Paul Biya lors des négociations ayant abouti à la décision de la Cour de justice internationale en 2002, puis aux accords de rétrocession entre Yaoundé et Abuja en 2006. C'est à la suite de cette première victoire qu'il sera nommé ministre délégué en 2004. Kamto a observé que certains leaders nigériens souhaitait profiter de la situation du Cameroun et notamment du conflit dans les régions anglophones pour revendiquer Bakassi de nouveau, explique un de ses proches, et il aurait alors proposé son analyse du dossier à Paul Biya au nom de l'intérêt national. Tu entends ça? Les petites gens, vous n'insultez qu'en tout, il a goûté à la machine, il a fait ceci. Contrairement à vous, qui dites que vous aimez Paul Biya, que vous aimez le Cameroun, que Kamto veut déstabiliser le Cameroun. C'est un spécialiste du droit international, public, qui lui a défendu le Cameroun à l'époque. On nous a rétrocédé ce territoire de Bakassi. Donc, il a des informations précises et sérieuses sur le cas de Bakassi. Que la guerre que menait la guerre de Paul Biya dans le nord-ouest et le sud-ouest a amplifié davantage dans le milieu nigérien une certaine volonté de récupérer la presqu'île. Le président Maurice Kamto, ayant donc la primauté de l'information, parce que même les renseignements n'ont pas eu cette information, parce que tout pour eux, c'est de travailler à disqualifier, à éliminer les adversaires politiques de Paul Biya. Maurice Kamto donc a une information importante et d'intérêt national. Or, il pouvait se dire, bon, Paul Biya, c'est mon adversaire politique, je garde ça. S'il veut tuer le pays. Non. Il le fait à cause de la nation. À cause de l'amitié. Parce que Bakassi est le patrimoine de tous les Camerounais. C'est pas la chose de Paul Biya. Mais comme c'est Paul Biya qui gère par effraction, même s'il y a des manquements,
le président Moïse Kamto, ayant une telle information, il décide de donner cette information au président de la République, qu'il exploite et qu'il prenne des prédispositions par rapport à ça, pour qu'on ne récupère pas Bakassi. Parce que Maurice, le président Maurice Kamto pouvait rester silencieux. Laisser que la médiocrité de ce régime puisse perdre cette presqu'île. Mais comme lui ne regarde pas le Cameroun, au travers de Paul Biya, parce qu'il fait, il dissocie les choses. Paul Biya n'est juste le représentant ponctuel du peuple camerounais. Mais le Cameroun n'est pas son patrimoine, ni moins de sa famille. C'est pour le Cameroun, c'est pour les Camerounais. Donc si les voleurs, si les gens veulent extraire une partie du Cameroun, et qu'ils le croient de ça, il ne va pas rester silencieux. Donc voilà les raisons qui motivent le président du MRC. Il y a une information confidentielle d'intérêt national. Il décide lui-même d'aller à la présidence de la République déposer ce courrier dans le but d'informer celui qui gère, même par effraction, le Cameroun, de la situation qui prévaut dans la presqu'île de Bakassi. Que les conséquences de la guerre aux noms au sud-ouest ont nourri certaines vérités au sein de la communauté nigérienne. De reprendre cette presqu'île. Donc, il est important que les autorités camerounaises puissent prendre des prédispositions pour empêcher cela. Tu as vu ça? Regarde la grandeur d'un homme. Il n'est pas seulement opposant pour s'opposer. Lorsqu'il s'agit de défendre l'intérêt de la nation, tu vois ce qu'il fait. Toi, tu es là, tu l'attaques. Tu es là, tu l'insultes. Tu viens raconter n'importe quoi. Tu dis qu'il voulait goûter lui de la sardine. Regarde donc ce qu'il a fait, ce que toi, tu es incapable de faire. Or, quand toi, tu pars là-bas, dans ta gestuelle, c'est pour décharger ou bien pour négocier des postes. Mais lui, il est venu pour protéger le patrimoine de tous les Camerounais. Dis à celui qui gère même pas et faction le pays que, hé, même si tu gères le pays par effraction, voilà une situation. Même si on se querelle, on a des problèmes. Un contentieux, toi et moi. Mais je n'accepterai pas que l'ennemi puisse profiter de cette situation pour mettre à mal notre patrimoine. Donc prends cette information sérieuse. Et vois par quel moyen tu empêches qu'on puisse prendre cette presqu'île qui nous appartient. Tu as vu la grandeur d'un homme. Tu viens l'insulter. Tu viens raconter n'importe quoi. Il a fait un coup politique extraordinaire. Paul Biya n'aura plus de raison. Tu entends ça? Vous voulez détester n'importe comment. Il sera difficile pour vous de trouver des erreurs en cet homme. Vous allez chercher à le détester. Parce que vous dégagez une nature de méchanceté. Mais il vous donne des éléments qui vous amènent à avoir de la sympathie, de la considération, de l'admiration envers cet homme politique d'une autre dimension. Il s'est élevé au-dessus des querelles politiques qui peuvent exister entre lui et Paul Biya. Tu as vu qu'il n'a pas personnifié le combat politique. Même si Paul Biya a ses lacunes, a ses difficultés. Même étant opposant, s'il a des informations qui peuvent aider pour le bien des Camerounais, il ne s'assoit pas sur ces informations. Il les donne. Quitte à Paul Biya de continuer avec les démons de la médiocrité, de mal gérer, mais lui, il aura fait son rôle d'informer. Et surtout qu'il était dans ce dossier. Donc pour lui, il estime que si cette presqu'île est reprise par le Nigeria, ce sera un coup pour lui qui a été
conseil et avocat dans ce dossier. Tu entends ça? Toi, tu avais à pomper les insultes. Tu avais raconté n'importe quoi. Parce que toi, quand tu prends la présidence, c'est pour prendre le torco. C'est pour aller négocier quelques jetons pour venir insulter Maurice Kamto sur les plateaux. Tu as vu la grandeur de nous. Lui t'a donc démontré que si toi, tu pars là-bas pour faire les Amalek à Paul Biya, pour te couper derrière Paul Biya, lui part parce qu'il travaille pour l'intérêt national. Le petit gens. Comment ne pas célébrer un tel homme? Et ce qu'il a fait, non seulement c'est un coup en communication politique, mais il impose à ses adversaires politiques d'avoir de l'admiration pour lui. Donc, en lisant ce dossier, si Paul Biya avait ses facultés, maintenant c'est Franck Biya. Donc, quand Franck Biya prendra, mais Franck Biya fait comme ça, mais on parle comme ça, tous! Même les collaborateurs de Paul Biya diront, mais on dit comme ça, Maurice Kamto, même on le fait du mal. La Tangani, tous, ils vont bégayer. On fait du mal à ce monsieur, mais franchement, ce monsieur aime le pays. Disons vrai, il aime le pays, il aime. Les collaborateurs de Paul Biya vont faire, non, il aime. Le gars, il aime le pays, ça, il aime. S'il n'aimait pas le pays, nous-mêmes, ce qu'on fait comme acte là, ce qu'on pose comme acte envers ce monsieur, c'est quand même méchant. Il aime ce pays. Si un homme n'aimait pas ce pays, il ne peut pas nous ramener une telle information comme ça. Pour l'intérêt de la nation. Et ça va parler à leur conscience. Toi, tu es là, tu es idiot. Tu interprètes les faits, tu racontes n'importe quoi. Tu l'insultes, tu viens le dénigrer. Or, c'est dans son mouvement que tu viens recruter. C'est son mouvement, les gens, les sympathisants de son mouvement qui te dépendent tout le temps. Ton histoire de salaire de café de commerce qui a été créée par des groupes. Tu es là, responsable, ta femme aussi, pas mais vous ne vivez que de ça. On va libérer le pays alors que vous êtes les corps d'Atangadji qui a signé vos histoires de salaire de café de commerce là. Vous êtes les portes d'Atangadji. Donc toi, tu attendais juste un petit truc comme ça, tu sors, tu tapes sur le leader. En croyant qu'en tapant sur le leader, toi, ça va te grandir. Or, tu n'es qu'une vermine. Voilà donc là où il vous dépasse. Tandis que vous êtes dans le commérage, la médisance, le dénigrement, l'insulte. Lui, il est dans le travail. Il pense à la nation. Il pense au Cameroun. Toi, dans les invectives, le Congo, ça. Les insultes. L'autre qui est aux États-Unis. Les Nouma, tout ça. Le dernier scorpion. Et certains, sur la toile-là, qui gesticulent. Il a démontré. Et ça, c'est un coup de communication politique. Là. Il a une fois de plus démontré à ses adversaires politiques que même si on a des divergences, on a le point de divergence sur le plan interne, mais la nation, le Cameroun, est notre patrimoine à nous tous. Donc voilà les motivations qui ont mené Maurice Kamto. Donc cessez de tromper, de faire de la propagande, de manipuler les Camerounais naïfs. Dites-leur la vérité. Quand vous êtes incapable d'offrir autre chose et qu'on voulait à tout prix disqualifier cet homme qui, lui, est le plus cohérent sur le champ politique. Vous voulez à tout prix démontrer aux autres Camerounais qui l'aiment, qui l'ont porté, qui fait le même jeu comme vous. Alors que ce monsieur s'est rendu à la présidence pour livrer une information d'intérêt national que notre pays, on risque de prendre la presse qu'il bacassé, notre patrimoine à nous, pour bien prendre des mesures. Protège non seulement les Camerounais, mais ce patrimoine, l'intégrité territoriale. Voilà ce que Maurice Kamto allait faire. Tu viens insulter, tu racontes ton projet. Au lieu de travailler, de proposer des choses pour que le Cameroun, les Camerounais s'en sortent, tout à part, c'est Maurice Kamto. Maurice Kamto matin, midi, soir. Voilà donc ce qu'il a fait. J'espère que tu auras le courage
de t'excuser et de demander pardon. Mais comme vous, votre combat, c'est d'invisibiliser le combat de Kamto. Mais ce que j'aime bien, les gens qui vous suivent, il y a certains qui sont lucides, qui vont se détacher. Fais un direct. Tu présentes Kamto comme un guignol. Oh, tu es incapable de réunir deux personnes. Ton mouvement, c'est ceux qui sont à la diaspora là, qui te nourrissent. Ton histoire est venue, qui donne l'argent, tu commandes là-bas, tu commandes ici, qui te soutiennent. Et la plupart de ces gars, tu les as recrutés dans le MSC. Tous étaient des sympathisants de Maurice Kamto. Mais tu les as vendus le bluff que tu vas libérer. Un mouvement M22. Vous ne connaissez pas l'histoire là. M22, il veut imiter le mouvement du M23. Le 23 mars, qui s'est passé au Congo. Mais les gars étaient armés. On n'a pas parlé de M23. C'est pas le peuple qui a cotisé pour les armes. C'est un mouvement, une rébellion militaire armée. Qui a plié aux exigences. Qui a fait asseoir. Qui a créé un rapport de force. Et qui a fait asseoir sur la table de discussion. Toi, tu viens. Après le 22 septembre, tu viens tromper les naïfs. Que on va mettre le M22. Alors que tu es le corps d'Atangandi. On t'a vite signé ça. Pour venir tromper les esprits mal éclairés. Naïf qui était impatient. Alors qu'on a dit à certains, calmez-vous. Allons doucement, mais sûrement. Mais d'autres, par manque de patience, ont cru en vos projets. Vous êtes incapable de rendre le bilan de ce que vous aviez fait, de ce que vous avez proposé. Tout pour vous, c'est de trouver des moyens d'invisibiliser le combat de Maurice Kamto. Voilà comment il vous a encore détruit de manière littérale. Il vous a détruit. Il vous a laissé spéculer, raconter n'importe quoi. Voilà, jeune Afrique, donc, sort le contenu. Ce contenu, c'est pour te sauver toi-même. Alors que tu l'avais traité de tous les mots. Les petites gens. Les petites gens. N'importe quoi, des bouillons. Ce pays ne sera plus jamais le même. Jamais. Tu entends ça? Si toi tu es fake, tout le monde n'est pas fake. Si vous là, vous vivez sur le dos des Camerounais, tout le monde ne vit pas sur le dos des Camerounais. Il y a des Camerounais qui se distinguent matin, midi, soir. N'importe quoi. Donc tu as vu, non? Il ne joue pas sur le même terrain que toi. C'est pas sur le même axe. Il est allé sauver ton pays. Il est allé donner une information pour sauver ton pays. Tu es là comme toi à goûter, il a goûté à la sardine. Un type qui est professionnellement assis, financièrement assis, il a tout. C'est pas un aventurier. Tu me parlais des autres, on peut te dire oui. Quand on voit leur parcours, on peut comprendre. C'est pour ça qu'on ne croit pas à n'importe qui. Mais lui, il n'a pas faim. Il a accompli, il a tout, il n'a pas faim. Il a tout, il n'a pas faim. La notoriété, il a déjà. C'est un type respecté. Il n'a pas seulement une notoriété à la dimension nationale, mais internationale. Personne ne peut faire une analyse politique au Cameroun sans parler du président Maurice Kamto. Impossible. 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 Personne. Et on ne pourra pas faire l'avenir de ce pays sans ce monsieur. Impossible. Sans porter les idées de ce monsieur. Impossible. Petit aventurier, salade de café de commerce, un 23. Si tu es là-bas, sors. Si tu étais naïf, sors. Parce que si tu restes là-bas, ce que tu es, notre ennemi. Parce que si toi, tu es parti là-bas, que tu étais naïf, sors. Et c'est pas seulement vrai pour lui. Pour tous ceux qui s'attaquent à cet homme, vous devez cesser de les écouter. Le problème du Cameroun, c'est un problème très sérieux. Quand nous, on se lève là, on pense à la situation de plus de 27 millions de Camerounais. Comment ça va se passer? Comment on va changer ça? C'est plus là que nous autres. Même si on n'est pas souvent très d'accord avec la personnalité de Kalis Beyala,
Le combat qu'elle mène actuellement, on ne peut pas tuer ça. On ne peut pas insulter ça. Et je vous l'ai dit, qu'elle donnait le PCM au DCC. Elle est dans les secrets. Quand elle prend son combat de transition générationnelle, qu'il n'y aura pas ça au Cameroun, entre Paulie et son fils, elle sait de quoi elle parle. Parce que cette dame, à une époque, a fait le PCM au directeur du cabinet civil. Tu me dis que PCM, c'est quoi? C'est le petit coup matinal. Tu ne parles pas dans les détails. Toi, si tu n'as pas été en couple, c'est ton problème. Ceux qui étaient en couple connaissent, savent de quoi je parle. Quand un homme reçoit le coup, le petit coup matinal, à 7 heures, tous les secrets sont dehors. Même si les exercent des professions qui lui demandent une certaine confidentialité. Mais quand le PCM est servi le matin, l'homme n'a plus le contrôle de la confidentialité. Il livre. Et cette femme, à une époque, donnait les PCM chaque matin à une des personnalités de la République, le directeur du cabinet civil, qui lui est au cœur de ce qui est l'antichambre de Paul Biya, est au cœur des informations que vous et moi, vous n'aviez pas la sensibilité à ces informations. Donc, par le PCM, si toi tu ne connais pas ça, ceux qui sont en couple ont connu ça. C'est comme ça. À cette heure-là, si tu veux qu'on te livre le PCM, c'est là où tout se passe. Il y a tout chantage. Donc, elle devait livrer dans le PCM. Elle conditionnait ça. Par de l'information. Donc, elle profitait et disait, bon, chérie, mais dis-moi, mais le vieux, chérie, le vieux, tu penses que le vieux la peut donner à qui? Oui, ma chérie, mais tu sais, le vieux prépare son fils. Ok, chérie, tu attends. Après, elle livre le PCM. Le gars livre tout. Donc, c'est pour ça qu'elle livre ce combat-là. C'est qu'elle a l'information. Elle a l'information. Donc, tais-toi. Ne l'insulte pas. Même si tu n'aimes pas sa tête, il faut questionner la pertinence de ses sorties. Et c'est ce que nous faisons. Donc, quand elle sort comme ça, on dit, c'est bien. Nous, on prend seulement, on enregistre. On dit, merci. Parce que moi, c'est ton passage là-bas. Même comme tu nous insultais hier. Ton passage là-bas nous sert aujourd'hui. Ça permet de nous affûter et d'apprêter nos stratégies. Parce que vous verrez, on peut blaguer. Mais là, ça va être difficile pour lui. C'est parce qu'en fait, moi, je vous l'ai toujours dit ici, qu'un proverbe africain dit très bien que le serpent n'est pas... Le serpent est méchant tant qu'on ne l'a pas vu, est dangereux quand on ne l'a pas vu. Mais quand on l'a vu, il n'est plus dangereux. Pourquoi? Parce que quand on a vu le serpent, on a identifié. On a fui nos armes pour le couper la tête. C'est tout. Mais quand on l'a vu, on a fui juste nos armes. On se prépare, on attend juste le moment opportun pour couper la tête. Et c'est pareil. Frambia ne sera pas dangereux au Cameroun. Parce que les Camerounais seront préparés à ce scénario pour l'empêcher. Ça va pas être le Tchad, ça va pas être le Gabon. Tu entends ça? Pourquoi? Pas parce qu'on l'a dit, mais parce que nous avons travaillé. Nous avons contribué à l'insurrection morale du peuple camerounais. Que face à cette éventualité, voilà les conditions de résistance que nous vons opposer. C'est clair. Donc si tu as compris ça, calme-toi. Ce pays-là, ça va nous appartenir. C'est pour ça qu'on lâche rien. On est là. Et maintenant, nous là, on est tellement rigoureux avec nous-mêmes. Mais aussi, avec ceux qui disent qu'ils sont des nôtres. Si tu veux être des nôtres, il y a une attitude et un comportement. Tu ne peux pas être des nôtres. Tu es dans tous les Congossais. Le comportage. Tu fais le chantage. Tu enregistres les combattants. Tu es bizarre. Tu bavardes. Tu mens. Tu manipules. Non. Tu collabores avec nos adversaires. On ne peut pas t'accepter au milieu de nous. On te chasse.
tu viens, on part. Maintenant, tu n'es pas d'accord, va brûler le lac, fous-nous le camp. Fous-nous le camp. Parce que depuis 2018, aussi vrai que les autres ont troublé, toi-même, tu es un troubleur. Tu déranges. Donc, quand on te dit dégage, tu dégages. Maintenant, va dire que je suis l'ami de Misanga Niamdi, c'est moi qui te donne l'information. Que c'est mon ami. Donc, tu ne nous apprends rien. Et maintenant, le fait que je sois habillé avec Misanga Niamdi, est-ce que ça a compromis le combat? Est-ce que j'ai fait les choses que toi tu fais? Est-ce que sur le plan comportemental, je fais des choses qui fâchent le combattant? Non. Au contraire, je contribue à la marque de combat. Je ne fragilise pas les combattants. Je n'utilise pas les moyens de chantage au combat. Et tu es là, tu te justifies. Quand les gens te fuient, remets-toi en question. Parce que les mêmes gens t'ont soutenu hier, t'ont donné de la crédibilité, t'ont aimé, t'ont porté. Ce n'est pas la jalousie, on n'est pas jaloux de toi. Ouf. Moi, j'ai le temps pour être jaloux de toi. Ouf. Tu es qui? Tu es qui? On n'a pas les mêmes valeurs. On n'a pas les mêmes intérêts. Je suis jaloux de toi. Ouf. Tu es qui? Que ta vie là, ça me plaît. Pardon. Je me préfère mille fois. On est jaloux de moi, ma chère. Ouf. Tu es qui? Bien menacé, parler de... Et je vois des gens venir défendre des salades de café de commerce comme ça. Si vous tiens, hein, il ne tient pas tout le monde. Si vous parlez là, parce qu'il vous tient, c'est votre problème. Méfiez-vous. Voilà. Et on n'a jamais fait un mouvement pour détruire. Surtout nous là. Si tu parles bien de ce combat et que tu portes un mouvement qui avance notre combat, nous, on n'a pas de problème. Nous, on n'a pas de problème. Mais si tu dis qu'on veut tuer ton monde, surtout qu'on a même mal parlé, mais ne nous amène pas. Ne nous amène pas à dire des choses qui vont fâcher. Donc quand tu viens supporter un individu parce qu'on lui demande de changer son attitude, méfie-toi. Parce que vous qui parlez là, vous n'êtes pas prêt à l'accepter auprès de vous. Vous qui le défendez, vous l'avez viré, vous n'êtes pas prêt à l'accepter. Il faut cesser ce laboratoire d'hypocrisie. Il faut être vrai avec les combattants. Et nous l'assumons. Moi quand je sors maintenant, quand je sors, n'oubliez pas le mouvement. Quand les combattants m'appellent, je demande d'abord, tel est là. Si on me dit qu'ils ne sont pas là, moi, ils viennent. Si on me dit que tel est, je ne suis pas le seul. Moi, je dis, peut-être les autres ont peur de le dire. Moi, si on me dit que tel est là, je ne viens pas. Je ne viens pas, parce que ta tête ne m'inspire pas. Oui, ta tête ne m'inspire pas. Tu as contribué à gâter, à détruire. Il ne faut pas déranger les gens. Si les autres ont peur de dire, on te dit, on te tape sec, tu ne peux rien nous faire. Tu peux rien nous faire. Parce que ce qu'on nous tient comme discours, c'est qu'on est en journée, c'est ce qu'on est la nuit. On t'a toujours dit ça. On n'est pas fake. Donc, si tu dis qu'on travaille avec Misanga Niamdi, les gens de Momo, ouf. Est-ce que les gens de Momo ou bien Misanga Niamdi ont changé la véracité et la sincérité de notre combat? Jamais. Donc, quand on te parle, c'est qu'on t'aime. Faut que tu changes. Cesse de manipuler les combattants. C'est ça. Vous avez créé trop de désordre dont les gens ne sont plus sereins de vous retrouver de vous retrouver ensemble dans un mouvement. C'est tout. Et c'est normal qu'ils s'expriment comme ça. Donc, ne devez pas défendre n'importe quoi. Vous défendez des choses alors que vous n'êtes pas prêt à les soutenir, à prendre ces gens-là dans vos bras. Vous n'êtes pas prêt. On se comprend. Je ne vais pas justement énumérer les noms. Mais ils me comprennent. Ils me comprennent très bien. Ils savent de quoi je parle. Ce sont mes frères combattants. Donc, quand on reproche un combattant pour son comportement, ne venez pas défendre n'importe quoi. C'est nous qui subissons ça. Vous êtes à distance. On vous a toujours dit ça. Quand on vous parlait ici, là, moi, quand on commençait, on parlait de Calibri. Vous dites, non, vous n'avez pas les preuves, tout ça. Sandy a sorti les preuves. Moi, je parlais déjà de ça ici. Quand je me suis séparé du groupe de Calibri, Calibri a laissé croire que c'est de la jalousie parce qu'il a salué Macron. Je dis, non. C'est que Calibri avait changé... La démarche, les principes qui nous lient à l'idéologie. Les gens disaient que je n'ai pas de preuve, je mens. Dernièrement, Sandy a fait un direct où elle a exposé que Calibri s'est rendu au Quai d'Orsay pour discuter. Il est allé de manière, une décision unilatérale, sans consulter le groupe.
Aller s'asseoir avec les gars du Quai d'Orsay, discuter. On ne sait de quoi. Jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais dit. Oh, c'est un mouvement. Nous avons construit le mouvement. Ce n'est pas le mouvement de Calibri. C'est un mouvement qui bénéficiait de l'apport de toutes les composantes de notre mouvement dans la diaspora. Il allait là-bas parce qu'il avait des opérations individualistes. Il a voulu utiliser le rapport de force qui a été construit par le nombre pour ses opérations personnelles. Et là, nous, on n'a pas été d'accord. Même si on l'avait porté, ou bien on l'avait aimé, on l'avait célébré. Mais nous, quand on a vu ça, on a pris la distance. On s'est dit, ok, ce que nous aimons au moins dans ce combat, c'est que quand tu es fake, toi-même, tu vas t'exposer. Et c'est ce qui s'est passé. Sandy hier, qui était avec eux, qui ne nous soutenait pas. Ils n'ont jamais compris. Moi, j'ai dit aux gens, quand Sandy a commencé à démasquer ses gars, les gars ont commencé à dire, non, vous ne pouvez pas soutenir Sandy, elle est dangereuse, c'est qu'elle nous a fait mal. J'ai dit, la différence entre vous et Sandy, c'est que Sandy sait reconnaître ses erreurs et demander pardon. Un. Et deuxièmement, je suis politique. Donc, si Sandy était avec vous, les dernières informations que nous n'avions pas, elle va nous livrer ça. Tu entends ça? Et elle a sorti une des informations. Ce que nous, on disait, peut-être qu'on n'avait pas les éléments palpables. Sandy a sorti où Calibri disait, dans les membres du groupe, je viens d'être reçu par le Quai d'Orsay, dont le recevait déjà. Sans que même son vice-président, fils de planteur, ne soit au courant. Même le sage, la colline qui monte de ça, ne soit au courant. Donc, il y avait des actions purement individualistes. Sandy a relevé ça. Et ce que nous, on disait, que le gars faisait déjà le deal avec les Français, il voulait atteindre. Et comme le deal n'avait pas marché, c'est pour ça qu'il a simulé son immolation là. On connaît tout ça. Nous, nous avons eu les dossiers. Il a dit tout le temps que vous croyez que tout le monde est idiot. C'est de prendre, quand vous faites vos histoires là, ou bien vous avez vos business devant vos schémas, comme votre ami Zimanto dit souvent. Vous croyez que quand vous faites votre schéma là, tout le monde est mougou. Amusez-vous. On donne seulement l'impression d'être mougou. On donne seulement l'impression d'être mougou. Pour avoir vos vrais visages. Mais tout cela, on est tous des bandits. Tu entends ça? Tu ne fais pas la politique si tu n'es pas un wise man. Tu entends? Si Kanto n'était pas wise man, il ne devait pas faire ce coup. Il est d'abord wise man. Ne le vois pas calme là. Oui, dans la paix, dans la paix. C'est un wise man. Tu entends? Donc calme-toi. Donc quand on te dit que toi, tu dois plus être au milieu de nous, accepte ça. Fais ça plaisir, on n'est pas jaloux de toi. Surtout qu'hier, on t'a porté, on t'a célébré. Tu entends? C'est que tu as des comportements désagréables. Voilà, les gens estiment qu'ils ne peuvent plus voler avec toi. Le mensonge, le comportage, le bavardage, la médisance, le chantage, les enrichissements, etc., les faux trucs, causerie avec nos adversaires, tout ça. Toi, tu veux marcher avec nous, quoi? Tu ne donnes, tu n'inspires pas confiance. Maintenant, ceux qui t'aiment, qui te prennent, qui te mettent dans le mouvement, vous avancez ensemble. Oh, les mêmes là, il faut sembler, mais ils te gèrent à distance. Vous croyez que laboratoire d'hypocrisie. Pardon, allez dormir. Allez dormir, bonne soirée. Ils ne connaissent pas. On parle en parabole. Mais vous t'attendez, on va dégainer. Nous, on est prêts. Hein? Tous les combats sur tous les fronts. Tous les fronts. Vous dites que qui peut détester un mouvement qui fait la promotion de notre combat? Personne. Si tu as un mouvement qui fait la promotion de toi, je ne peux pas. Je ne peux pas détester. On n'est pas jaloux de ce mouvement. Mais si vous protégez des bandits et des renégats dans un tel mouvement, nous, on a dénoncé. C'est tout. Si vous ne voulez pas faire le nettoyage, c'est votre problème. Nous, on a décidé à la base de faire le nettoyage. Aujourd'hui, nous sommes en phase avec nos aînés dans ce combat. Nous les écoutons parce qu'ils ont de l'expérience. Nos aînés, c'est de l'expérience et la sagesse. C'est tout. Mais même nos aînés savent qu'ils n'ont aucune autorité véritable. Ils savent que les décisions, et c'est ce que j'aime sur nos aînés, quand je parle de nos aînés, le général Wanto, il ne prend aucune décision si ce n'est prise de manière collégiale. Tout ce que vous voyez là, le rapport ou les écrits, ça se tient en science. Nous discutons, nous débattons. Après, on fait une synthèse de toutes ces propositions. Et c'est sous l'acceptation de tous, sous la validation de tous que vous voyez ces communiqués.
Ce n'est pas où le général Wanto qui impose. Ils le savent tous. Ils peuvent imposer rien à personne. Ils ne sont pas là pour disqualifier les gens. Le truc, c'est que on demande à nos frères combattants que les choses anciennes, les choses qui ont traîné le combat dans la boue, qu'ils arrêtent ça. Et s'ils n'arrêtent pas ça, c'est clair. On se débarrasse d'eux. C'est tout. Maintenant, tu n'es pas obligé de reconnaître les associations, comme tu dis. C'est tout. Parce que c'est nous-mêmes les humains qui donnons la force à ces associations. Mais le truc, c'est que nous menons les humains, quand on s'assoit quelque part, tu viens, on te chasse. C'est tout. On te chasse. Tu pars pas. Non, pas. On te laisse. Parce que nous, on n'a pas l'énergie pour bagarrer avec toi. Notre énergie, c'est pour bagarrer avec nos adversaires, les pauvres. Tu comprends? Donc, si tu veux discuter, t'assois là. Non, pas. On te laisse. Maintenant, si tu te fâches, tu dis qu'on est jaloux. Jaloux de quoi? Tu as quoi? Ouf! Tu es mango, mango comme nous, comme ça. Tu dis qu'on est jaloux. Ouf! On est jaloux de quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu fais qu'on ne fait pas? En plus, tu vois que ta vie là nous plaît beaucoup. On peut imiter quoi sur toi? Pardon, laisse ça. Calme-toi. Regarde seulement ta vie, c'est tout. Bonne soirée à vous. Portez-vous bien. Maurice Kamto est le meilleur. Calmez-vous. Tout est sous contrôle. Bonne soirée. Et Frambia ne sera jamais, je dis bien jamais, président de ce pays. Impossible. Nous allons tous mourir. Et on va revenir avec ce sujet. Bonne soirée, je vous aime. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. C'est tout. Nous, on le fait parce qu'on aime les peuples camerounais. C'est tout. Dans son entièreté. Dors bien. On n'est pas dormi. Tranquille.